A grandma has caught something quite terrifying in her granddaughter's room. Tori McKenzie is begging for help online after capturing what she describes as a demon standing over her grandchild's bed. Miss McKenzie set up a motion-activated camera at her son's house after complaints his two-year-old daughter Amber was talking to something unseen in the middle of the night. The grandma checked her camera's app days later to find a bone-chilling image of a figure standing very close to her sleeping grandchildren with what she described as it having a horn on its head and long claws. The creature is captured standing awkwardly, looking upwards just before 3 a.m. Miss McKenzie says when she tried to rid the house of the evil presence by burning oils, she claimed cabinets and curtains opened and closed and music began to play by itself. The grandmother insists the discovery has left her fearing for her grandchildren's lives and that the photo is real and could not be photoshopped because she does not have the technical know-how to change the image. Is this toddler possessed? Listen to his plaintive wail as he balances himself on his crib. And those eyes, they're glowing. Imagine the surprise little Connor Booth's parents felt when they saw the nanny cam video. First he climbs up the side of his crib, then does the impossible, steadying himself on the top rail for a remarkable 22 seconds before falling backwards onto the mattress. Look at the title on YouTube, Possessed Baby. Gotta be fake, right? Actually, no, say parents Chuck and Kate Booth. Is this real or not? Oh, it's 100% real. It is definitely real. Is Connor possessed? Because we see those glowing eyes. They're a little bit freaky. That's just the night vision on the camera. Can you spin your head all the way around? You'd forgive us for being skeptical. No, es que hay una presencia muy extraña, parce. Nosotros decidimos poner una cámara, parce, para que viera pues todo lo que estaba pasando. Uy, parce, pero es que ustedes, no, parce, no. Revisé la cámara toda la semana. No. No sé, ven ahí, ¿cómo comenzamos? Yo sano, dormido. Parce, no, eso es un demonio muy un demonio muy ardiente. Es que digo que ese demonio pase, yo no sé. Eso está ahí. Vea, yo no, vea, yo estaba sintiendo que a mí me está cogiendo, no sé, vea. No, Diosito, protégenos, cuiden a sus familias, porque les puede pasar esto que les está pasando a mí. Laissons parler cette sœur. Elle a partagé son témoignage il y a quelques jours. C'est Sophie du Burkina Faso. On commence par elle. C'est le témoin de Sophie. Nous avons prié. Voilà la réponse à la prière de Sophie. Écoutons son témoignage. Je viens pour rendre gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, Dieu soit exaucé, Dieu soit exalté pour l'amour, la grâce et la miséricorde et la compassion qu'il donne à des misérables, des hommes comme nous ici-bas. Tata, je rends grâce à Dieu ensuite de tout ce qui a été et qui t'a parvenu. Tata, merci pour tes conseils, merci pour tes conforts, merci pour ton encouragement que tu as toujours eu envers moi. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui, car par la grâce de Dieu, Tata, je bénis le Saint-Nom de Dieu, car maintenant, même si je rentre dans mon sommeil,
Je dors comme un bébé jusqu'au petit matin. Et je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Je remercie le grand Dieu qui a eu pitié de moi et qui m'a accordé sa grâce. Que son nom soit loué infiniment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un bonsoir pour vous. Bonne journée à tout le monde dans la paix de notre Père et Sauveur Christ de Nazareth. Amen. Voilà, amen, amen, amen. Donc, bonjour, bonsoir Tata. Voilà, elle continue. Et à la maison, et mon frère. Ok, donc elle continue. Excusez, il y avait certainement un enfant qui pleurait en background quand elle enregistrait. Donc elle continue, c'est pas encore fini. Donc elle continue son témoignage. Elle dort, elle était attaquée depuis des années. Les démons la tourmentaient dans le sommeil. Et quand elle est devenue chrétienne, ça s'est encore empiré. Ça s'est empiré. Les démons la tourmentaient. Elle a donné son besoin de prière et on a prié. Ouais. Elle n'est pas allée télécharger une application qui commence par K. Vous savez de quoi je parle. Elle n'est pas allée à télécharger quelque chose. Elle n'est pas allée voir un faux pasteur. Elle n'a pas donné d'argent pour comprendre. Elle a sollicité que l'église prie pour elle. On a prié. Elle a cru. Voilà, maintenant elle dort paisiblement. Terminons, il y a quelques minutes qui restent. En tout cas, pour dire vrai, je ne sais pas combien des années j'ai eu à dormir paisiblement comme ces derniers jours. Je ne sais pas combien des années. Mais sachez que des cauchemars à n'en point finir, c'était ce que je vivais. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a fait grâce et qui m'a tendu sa main de secours. Que son nom soit infiniment loué au nom de Jésus. Merci beaucoup. Amen, amen. Sophie, merci pour ton partage de ce témoignage. Vraiment que Dieu soit loué. Sache que Sophie, tu fais notre joie. Tu fais mon encouragement. Je ne sais pas si je connais quelques... Je ne connais pas 20 sœurs à travers le monde qui ont cette fermeté, cette piété. Elle se trouve seule. Je ne sais même pas si son mari est converti. Certainement persécuté dans sa famille. Mais voilà Sophie du Burkina Faso, au milieu des faux pasteurs comme les Karambiré et autres, mais qui a connu la vérité. Alors, nous allons poursuivre avec le sujet des attaques nocturnes, avec le témoignage de la sœur Blandine du côté de Paris. Elle est membre de l'Église de Paris. Et je suis content de voir certains membres de l'Église de Paris, Lorignon, que je salue, je ne sais pas si j'ai aperçu Franck, etc. Donc, soyez salués, les frères de l'église locale de Paris. Alors, il y a Blandine qui fait partie de l'église de Paris, qui donne son témoignage, comment elle a été délivrée aussi des maris de nuit. C'est un problème. Et quand vous ouvrez les portes, parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes aux esprits de maris de nuit, donc je vais vous faire suivre le témoignage de Blandine pour la gloire de Dieu et pour vraiment nous fortifier. Et voilà, donc, suivez s'il vous plaît. Donc, bien-aimé, je viens raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comme il m'a délivré des attaques des maris de nuit. Je venais juste de me séparer de mon mari. Ça s'est passé en 2011. C'est des choses que je n'avais jamais connues quand j'étais seule avant de me marier. Et quand j'étais mariée avec mon mari, je n'ai jamais connu ces choses jusqu'à ce que ça m'arrive là. Donc, ça a commencé à m'attaquer quelques mois après que je sois partie de la maison de mon mari. Je suis sortie de la maison, je suis allée dans l'appartement. Je crois 3 ou 4 mois après, quelques mois après, j'ai commencé à subir ces attaques là, toutes les nuits. Et Dieu m'a fait grâce de me montrer cet esprit-là, c'était une grande masse que je voyais comme une vision. Je ne pense même pas que je dormais, ou je ne sais pas si je dormais, en fait. C'est le genre de choses que vous voyez. Tu ne sais pas où, si tu dormais ou si tu ne sais pas si tu dormais pas où. Donc, je voyais cette masse-là venir. C'est une grosse masse, une ombre, forme humaine, mais une masse noirâtre qui venait souvent sur mon lit, s'allongeait sur moi. De fois, elle venait au bord de mon lit, s'asseyait sur le bord de mon lit et me touchait. Et me touchait vraiment, me souillait le corps. Me souillait toutes les nuits. Et si j'ai un peu d'accalmie, ça peut prendre une semaine. Une semaine, je n'ai pas, il ne vient pas. Après, il réapparaît. Je priais sans cesse. Je priais sans cesse. Je jeûnais sans cesse. Mais rien n'y faisait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'étais allé voir Daniel Verdigny, puisque je priais encore avec eux à l'époque.
Je lui ai raconté ça. Il est la seule personne à qui j'avais raconté ça. Parce que c'est des choses de honte. J'avais honte de dire des choses comme ça. Je dis, ben, je vais leur dire quand même. C'est un homme de Dieu. Il peut garder ce genre de choses, entendre ce genre de choses. J'étais allée lui raconter ce qui m'arrivait. Puisque ça faisait longtemps que je priais toute seule, mais je ne voyais pas de changement. Et avant de continuer, Daniel Bindigny, c'est un abominable faux pasteur français. Nous avons dénoncé, il y a les vidéos sur lui. Lui, c'est l'héritier spirituel de Benny Hinn. C'est même le, quand Benny Hinn venait à Benny Hinn venait à en France, c'est lui qui recevait Benny Hinn. Et il y a des vidéos, on a montré comment lui-même il est tourmenté en plein culte par les démons. Il fait le tai chi, il fait transmettre l'énergie cinétique à ses ouailles en pleine assemblée. Lui-même il est tabassé, frappé par les démons en pleine assemblée. Il est ivre de ces démons de Kundalini. Donc c'est Daniel Bindigny, un véritable escroc français, escroc, faux pasteur, escroc kundaliniste, l'héritier spirituel de Benny Hinn, l'américain Benny Hinn qu'on a dénoncé. Donc voilà qui est Bindigny, faux pasteur. Et en passant, Blandine avait fait un témoignage, j'avais fait une émission avec Blandine où on exposait justement Daniel Bindigny, abominable faux pasteur. Donc elle ne pouvait pas se confier à Bindigny. Je pense que si elle s'était confiée à Bindigny, ça devait même s'empirer. Donc, c'était une parenthèse pour vous dire qui est Bindigny. Continuons. Donc, j'étais le voir, je lui ai raconté. Il a prié pour moi, il m'a dit, va, c'est fini. Je ne te verrai plus, je ne te reverrai plus ici pour ça, puisque je sais que c'est fini. J'ai dit, OK, gloire à Dieu, je suis parti. Ça n'a même pas pris 3-4 jours comme ça, là. Les attaques ont repris. J'ai dit, OK, puisque c'est ça, je ne vais plus retourner lui le dire ni quoi que ce soit. Je n'en parle à personne. Je me tourne vraiment vers le Seigneur. Je sais que le Seigneur va, tu vas me délivrer. Parce que c'est quoi cette affaire? Je ne dors pas. J'avais des angoisses. J'avais la peur. J'avais l'angoisse de dormir. C'est-à-dire quand il commence à faire nuit, mon corps, tout mon être est torturé de peur. Comment je vais faire cette nuit? Il va encore venir me torturer. Il va encore venir me souiller. J'avais tellement cette angoisse-là au point que je pense que, voilà, j'en souffrais tellement que je ne suis pas déjà épaisse, je maigrissais même. Donc, ça a pris beaucoup de moi. Je ne sais pas si ça a pris un an, mais c'était vraiment plusieurs mois. Et quand je vous dis plusieurs mois, c'était presque toutes les nuits qu'il venait abuser de moi. Abuser de moi, vraiment, c'était pas des choses juste, j'ai vu quelque chose qui m'a touché le corps, non, c'était vraiment mon corps qu'il touchait, qui était souillé. Toutes les nuits, presque toutes les nuits. Et quelques jours que j'avais un peu de, je pouvais dormir une ou deux nuits comme ça, là, sans rien. Ou, une semaine, sans rien. Mais, j'avais des angoisses. Je pouvais arriver à dormir 2 ou 3 nuits sans être attaqué. Ou une semaine entière sans être attaqué. Mais j'avais des angoisses, des peurs. Je savais pas s'il va venir cette nuit, s'il va pas venir cette nuit. J'étais tellement, voilà, et ça a duré. Et là, je vais vous raconter comment le Seigneur m'a délivré de ça. Donc, quand le Seigneur m'a délivré de ça, c'était que une nuit, je dormais, et je me vois dans le sommeil, moi-même debout. C'est comme c'est ce genre de rêve que, ou c'est, je sais pas comment on appelle, c'est des visions ou des songes. Ou des rêves, je ne sais pas faire la distinction entre tous ces trois choses, ces trois noms-là. Donc là où tu es là, tu te vois toi-même. C'était comme ça que ça s'est passé. Je me voyais moi-même debout, en train de prendre autorité sur cet esprit impur-là sur moi, qui était en moi en disant, sors de mon corps, je prends autorité. Je lui disais, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu sors de mon corps maintenant. Tu n'as rien à faire dans mon corps. Je te chasse. Mon corps, le temple du Saint-Esprit. Mon corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tu n'as rien à faire dans mon corps. Sors. Je t'ordonne de sortir de mon corps. Je ne te permets pas de rester dans mon corps. Sors de mon corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce combat-là, j'ai dit des paroles-là pendant longtemps. J'ai pris autorité sur lui comme ça. Pendant longtemps, jusqu'au point que je n'avais plus la voix, ma voix était devenue rock, comme rayée, comme si j'avais crié toute la nuit, je n'avais plus la voix. Mais je forçais ma voix toujours à lui crier dessus, à l'ordonner
de sortir de mon corps, car mon corps est le temple du Saint-Esprit, car mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps appartient au Seigneur Jésus-Christ, il est mort sur la croix de Golgotha. Je lui rappelais ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix, accompli sur la croix de Golgotha, ce qu'il a, l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la croix de Golgotha pour moi. Et comment le Seigneur Jésus-Christ a vécu sur la croix de Golgotha et a détruit toutes leurs ses œuvres. Je lui rappelais ça. Et j'ai longtemps, c'était long, au point que ma voix était, je n'avais plus la voix. Au bout d'un moment, j'entends, quand je priais comme ça, c'était, je n'entendais personne. Il ne se manifestait pas. Jusqu'à un moment donné, il commence à parler. Il dit, je ne sors pas. Je dis, quoi? Tu ne sors pas? Tu sors! Il dit, je ne sors pas, tu es ma femme. Je dis, je ne suis pas ta femme. Là, il commence à parler. Avant, il ne parlait pas, mais je le chassais comme ça. Il était silencieux. Mais l'esprit me faisait prier comme ça. Il savait qu'il était, quelque chose était en moi, en fait. Moi-même, je ne pouvais pas le faire par moi-même. Non. Je lui disais de sortir de mon corps, de sortir de mon corps. Mais je ne pouvais pas le faire par moi-même pour savoir que c'est quelque chose qui était en moi. Et au moment donné, il s'est manifesté. L'esprit a pu s'est manifesté. Et il me répondait en disant qu'il est mon mari, que je suis sa femme, il ne sort pas. Tu es ma femme, je ne sors pas. Tu es ma femme, je ne sors pas, je ne sors pas. Je dis, je ne suis pas ta femme. Tu sors, je te l'ordonne maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu sors, je ne suis pas ta femme. Tu n'es pas mon mari. Je parti au Seigneur Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis la fille du Dieu Tout-Puissant. Je suis la fille du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as rien à faire dans mon corps. Tu n'as pas le droit d'habiter dans mon corps. Je ne suis pas ta femme. Je t'ordonne maintenant de sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sors de mon corps, sors de moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas ta femme. Et il disait, tu es ma femme, je ne sors pas, je ne sors pas, je reste, je ne sors pas. J'ai insisté, j'ai chassé, je l'ai ordonné. Au moment donné, ça a pris du temps. Il n'est pas sorti tout de suite. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vois seulement quelque chose qui sort de mon visage comme ça. Boum! Comme quand un bouchon explose. Un bouchon d'air, une bouchée d'air explose, soit fait boum! Sur mon visage. Et j'entends que la voix sort maintenant, avant qu'il sorte, dit d'abord, oui, je vais sortir, je sors, oui, je sors. C'est comme si quelque chose le brûlait, comme si quelqu'un qu'on fait du mal, qu'on torture, qu'on fait souffrir. Quand, maintenant, la voix était, je sors, il avait peur, c'était plus la voix où il imposait quand il me disait que je ne sors pas, tu es ma femme là, c'était vraiment avec une assurance. Mais quand il va dire maintenant, oui, je sors, il était comme, quelqu'un qu'on fouette, quoi, qu'on tape, qu'on blesse, quelqu'un qui est en souffrance. Je sors. Mais il va le dire longtemps. Hein. Il ne sort pas tout de suite de moi. Hein. Mais il est toujours à moi, mais il dit ça en disant, je sors là. Il était toujours là. Je sors. Moi aussi, je continue de lui dire, sors au nom de Jésus, tu sors de mon corps. Tu n'as pas resté dans mon corps. Tu n'as rien à faire dans mon corps. Mon corps, le temple du Saint-Esprit. Je répétais ces mêmes paroles-là. Je lui disais que je ne suis pas ta femme. Tu n'es pas mon mari. Je ne t'appartiens pas. Au nom de Jésus, je te chasse de mon corps. Sors, je t'ordonne de sortir. Il disait, oui, je sors. Maintenant, oui, je sors. Boum! Et au moment donné, j'entends souvent, boum, comme un gros bouchon qui explose sur mon visage. Boum! Et j'entends qui continue de parler à l'extérieur, là-bas, dans les airs, dans l'espace. Il dit, oui, je suis parti. Il disait, il répétait ça en boucle. Et j'entendais l'écho de sa voix qui diminuait, qui disparaissait dans les airs. En fait, c'était vraiment dans les airs que sa voix partait, dans les airs. Je suis parti. Et moi aussi, je continuais d'insister dans ma prière, de le chasser continuellement. C'est-à-dire, je ne m'étais pas arrêté malgré qu'il était sorti. Je n'avais pas arrêté de prier, de leur donner de sortir, de prendre autorité sur lui, de le chasser. Je continuais toujours là ma prière, de crier, de leur donner. J'ai dit, tu ne reviens plus jamais. Je te l'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas ta femme. Tu sors. Jusqu'à ce que je n'entendais plus sa voix. Sa voix s'est éteinte comme ça là. Et c'est comme ça que je me réveillais de mon sommeil. Je me rends compte que je suis allongé dans mon lit. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? À un moment donné, l'Esprit va me dire de sortir de mon lit pour prier. Donc, je me lève, je me tiens debout sur mes deux jambes et je répète les mêmes prières, les mêmes paroles que j'ai parlées dans la prière, dans le rêve. Je répète les mêmes paroles d'autorité. Je répète ça dans la prière maintenant, debout, réveillé. Ça a pris longtemps aussi, au point que ma voix maintenant, en vrai, elle était rayée vraiment là.
J'ai tellement pris autorité pendant longtemps, jusqu'à ce que ma voix était rayée. À un moment donné, je me suis arrêtée de prier. Et depuis ce jour-là, je crois que j'ai dormi encore pendant un mois, comme ça, là, tranquille. Et un beau jour, je le vois comme dans un songe, je ne sais plus, comme si je dormais, comme je ne dormais pas. La manière que je le voyais, quand je le voyais vraiment, c'était comme si je ne dormais pas, comme si je dormais. C'était vraiment bizarre. C'est quand je me réveillais comme ça, là, je me rends compte que ben, je dormais ou je ne dormais pas. Donc, c'était comme ça. Donc, je le revois arriver encore là, cette masse d'ombre-là, oui, venu comme ça encore. Il revenait vers mon lit, au bord de mon lit, s'asseoir sur mon lit, vouloir monter encore sur moi. C'est là où j'ai pris autorité. Je me suis réveillé en sursaut comme ça là. J'ai dit, tu as entendu, je t'ordonne. Je lui ai rappelé les mêmes paroles de la dernière fois. Le chassant prend autorité sur lui. J'ai encore pris le temps de prier. J'ai encore chassé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Depuis ce jour-là, quand je vous dis c'était le dernier jour que j'ai prié, que j'ai vu cet esprit et que j'ai été visité encore par cet esprit. Depuis ce jour-là, ça s'est passé en 2011 jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Nous sommes en avril 2023. Je n'ai plus jamais eu une attaque, même pas une visitation de quoi dans ces choses-là. Le Seigneur m'en a délivré ainsi. Le Seigneur m'en a délivré de cette manière-là que lui l'a choisi de me délivrer en passant par le songe et me laissant moi-même prendre autorité, me faire. Ça, c'est une expérience magnifique aujourd'hui. Quand je pense à ça, je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Le Seigneur m'a donné une grande instruction et j'ai appris beaucoup. Depuis ce jour-là, ça a boosté ma foi. C'est pour ça que quand je suis malade, quand quelque chose m'arrive ou quoi que ce soit, oh, je me souviens de ce que le Seigneur m'a fait faire là. J'ai compris que le Seigneur m'a montré que tu as l'autorité, vas-y. Pourquoi tu cherches quoi? Tu te lèves et tu prends autorité. Il va se soumettre au nom du Seigneur Jésus-Christ, il va partir. Depuis ce jour-là, le Seigneur m'a donné une grande instruction au travers de ce qui s'est passé, ma délivrance. Il m'a donné une grande instruction et j'ai reçu ça depuis ce jour. Je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Donc, je voulais raconter de comment le Seigneur m'a délivré de ces attaques impures par rapport à la situation de la sœur pour laquelle nous prions là, nous allons prier. Donc, Dieu soit loué parce qu'il m'a donné vous m'avez donné l'opportunité de raconter ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, amen, amen, amen. Je viens de me rendre compte que Blandine est présente à cette réunion et qu'elle suivait ce témoignage qu'elle nous envoyait par audio. Vous voyez comment nous pouvons faire respecter lors de la bienséance ce commandement de fait que selon lequel la femme doit se tenir dans les assemblées. Voilà, nous envoyer son audio avant. Et il y a plusieurs enseignements qui se tirent de ce témoignage. Vous voyez comment elle peut donner de profonds enseignements de manière pratique par son témoignage. Le problème des femmes de nuit ou mari de nuit, qu'on appelle démon succube ou incube, incubus ou succubus, c'est des démons qui viennent abuser les gens dans la nuit. Et ce sont les démons dont les portes sont ouvertes à travers la fornication, la masturbation, la pornographie ou les relations sexuelles que Dieu interdit et dont il en aura, telles que le sexe avant le mariage, l'adultère. Et c'est un démon de succube incube, mari de nuit, femme de nuit. Et cauchemar, quand le cauchemar, si vous voyez l'origine du mot cauchemar, cocher, c'est se coucher, mar, c'est quelque chose c'est un esprit mauvais. Donc cauchemar, c'est l'origine du mot cauchemar, c'est-à-dire qu'un esprit qui vient s'affaler sur vous, vous bloquer sur le lit pour abuser de vous sexuellement. Voilà les esprits de succube incube, c'est des démons lubriques, concupiscents, les démons sexuels dont les portes s'ouvrent. Et la leçon que nous pouvons tirer dans le témoignage de Blanine, c'est que nous avons la puissance au nom de Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ, tout genou fléchit tant au ciel sur la terre et plus bas que la terre. Et ne vous empressez pas de prononcer le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que celui qui invoque le nom de Jésus-Christ, c'est loin de l'impuricité. C'est loin, ça tient du péché.
Vous ne pouvez pas prononcer avec autorité le nom de Jésus-Christ si vous êtes dans la fornication, la masturbation, la pornographie et l'impureté. Voilà une sœur qui a fait l'effort de se purifier. Je corrige ce que j'ai dit. Elle a bel et bien vu ce faux pasteur, Vendigny. Mais ça s'est empiré. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et elle a pris autorité. Et c'est la première fois que j'entends un témoignage comment Dieu amène un croyant à combattre dans le sommeil. Dieu lui a montré, en fait, Dieu l'a amené à pratiquer sa propre délivrance. Ça veut dire quoi? Vous pouvez appeler les frères et sœurs pour vous soutenir la prière. Mais c'est nous qui combattons. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, Éphésiens chapitre 6, verset 10, les armes avec lesquelles le pasteur combat pour nous, non. Les armes avec lesquelles les frères combattent pour nous, non. Les armes avec lesquelles nous combattons. L'une de ces armes, c'est le nom de Jésus, que c'est toi qui combats. Elle a été victorieuse. Regardez un témoignage comment une femme qui craint Dieu, qui s'efforce à vivre dans la sanctification, il y a un démon qui s'attache à elle. Le démon la souille et c'est vraiment, c'est terrible comment vous sentez. Vous vous sentez innocent, vous vous sentez impuissant. Beaucoup de frères et sœurs n'ont pas le courage de témoigner comme Blandine. Le problème de mari de nuit et des femmes de nuit, c'est un problème qui est, je vais dire, sur 100 chrétiens, je n'exagérais pas s'il disait qu'il y avait 90 chrétiens. Même parmi ceux qui s'efforcent à vivre dans la sanctification, on n'a pas le courage d'en parler, on a honte d'en parler, mais je vous assure, c'est un problème qui est là. Donc, si vous avez ce même problème d'attaque de mari de nuit, faites comme Blandine. Dieu a montré à Blandine comment combattre. Vous savez pourquoi Dieu a montré à Blandine? Pour que Blandine témoigne et que par le témoignage de Blandine, nous sachions comment chasser les esprits de mari de nuit. Voilà pourquoi Dieu a montré. C'est nécessairement à Blandine. Elle a gardé ce témoignage pendant longtemps. Elle a gardé ce témoignage. Dieu a voulu qu'au moment convenable, qu'elle donne ce témoignage et que nous écoutions ensemble ce témoignage. J'ai eu à cœur de publier ce témoignage il y a quelques jours, mais nous sommes tellement tellement pris avec toutes les productions qu'il fallait faire. Ici, on a tellement de choses à faire ces derniers temps. Donc, j'ai dit, pour nous soulager, au lieu de faire, de monter une vidéo avec son témoignage, donc, partageons ce témoignage en assemblée. Et je pense que c'est même mieux quand nous le partageons en assemblée, que tout le monde écoute. Je pense que c'est une très bonne expérience. Donc, Dieu nous enseigne par le témoignage de Blandine. Dieu nous dit par le témoignage de Blandine, mes enfants, vous avez le pouvoir en Jésus-Christ. Vous avez l'autorité sur les démons. Deuxième leçon dans ce témoignage, c'est que les démons sont récalcitrants. Ils vont s'entêter. Dès qu'il a trouvé une maison, il a trouvé un corps, il peut goûter à la luxure, au plaisir sexuel. Je vous ai dit que les démons, pour qu'ils goûtent à la cigarette, à la nourriture, à la boisson, à l'alcool ou au sexe, il faut qu'ils aient dans un corps pour goûter ce plaisir. Sans ce corps, ils ne peuvent pas goûter ce plaisir. Parce qu'ils sont immatériels. Et quand il est entré dans un corps, c'est difficile de sortir. Elle a insisté, elle a pris autorité au point où la voix était presque partie, la voix était rouillée dans le sommeil. Et quand elle se réveille, ça se manifeste réellement. Troisième leçon, le démon est revenu un mois après. C'est tellement qu'il y a une porte qui a été ouverte, elle ne sait même pas comment la porte a été ouverte. Le démon est venu un mois après. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, homme ou femme, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme ou femme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Il n'en trouve point, parce que les démons, quand ils errent hors du corps, ou hors d'un animal, ou hors d'un arbre, ils n'ont pas de repos. En attendant, l'enfer. Les démons savent que la destination finale, c'est l'enfer. Alors, entre temps, ils jouissent du repos. C'est pour cela que beaucoup d'hommes sont possédés, y compris les chrétiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus donne une grande révélation. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Souligné vide, balayée, ornée. Le démon, quand il part, ne laissez pas la maison vide. Remplacez la maison par la parole de Dieu. Ne laissez pas. Votre maison doit être remplacée par quelque chose. Les gens du monde disent que la nature a horreur du vide.
Et c'est un principe qui s'adapte, qui s'applique aussi sur le plan spirituel. La nature ayant aura du vide, la nature spirituelle a aussi aura du vide. Voilà une révélation. Donc, quand le démon part, votre maison de laquelle le démon est parti ne doit pas rester vide et ornée balayée. Elle doit être ornée balayée, mais remplissez-la par la parole de Dieu qui vous amène à vivre dans la sanctification, à vivre dans la foi. Si elle est vide, il y a un problème. Alors, verset 45, il s'en va et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme ou de cette femme est pire que la première. Et voilà ce qui est arrivé. Un mois après, ce démon venait, voulait revenir. Il t'assit sur le lit. La sœur a eu, ayant déjà été instruite par Dieu comment combattre spirituellement, elle a pris autorité et le démon est parti. Voilà comment elle a été délivrée des esprits de mari de nuit. C'est une grande révélation. Ce témoin, c'est un enseignement. Commencez à mettre en pratique cet enseignement aujourd'hui. Les démons, ma sœur en Christ, où tu te trouves là, si tu as quelque chose dans ton corps que tu ressens, prends autorité sur cette chose au nom de Jésus-Christ. Les micros sont fermés, donc tu peux parler, on ne va pas t'entendre. Prends autorité, si tu sens quelque chose dans ton corps, dis à ce démon, parle de mon corps, parle de mon pied, parle de ma colonne vertébrale, au nom de Jésus-Christ. Prends autorité, peu importe ce que tu ressens, il y a une manifestation dans ta famille, dans tes enfants. Dis, démon dans mes enfants, démon qui amène la folie dans mes enfants, démon qui amène la démence, les problèmes psychiatriques dans mes enfants. Tu pars au nom de Jésus-Christ. Démon dans mon corps, démon dans mon pied. Au nom de Jésus, tu pars. Démon dans ma colonne vertébrale, démon qui m'amène les courbatures. Tu pars au nom de Jésus-Christ. Démon qui vient dans mes songes, qui vient dans mon sommeil, qui m'apporte les images de mari de nuit, de femme de nuit. Tu pars de mon sommeil au nom de Jésus-Christ. Voilà un exemple. Voilà comment nous devons combattre. Avec autorité, avec puissance, avec foi. Nous avons la puissance au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur des démons. Soyez courageux comme des géniaux. Soyez courageux. Nous avons la force en Christ. Au nom de Jésus, les forteresses tombent. Au nom de Jésus, les œuvres de la sorcellerie tombent. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons la force en Christ Jésus. Devant Jésus, tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre, et plus bas que la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ayons cette autorité, ayons ce courage. Voilà le témoignage. Je veux que vous sentiez votre délivrance au moment où vous êtes. Que votre délivrance soit là. C'est pas par hasard que nous avons ce témoignage. Dieu nous montre comment nous pouvons être délivrés de la sorcellerie. Afin que tous les projets de sorcier dans ta vie soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Tu as commencé à vouloir servir le Seigneur. Les attaques commencent à venir de tous les côtés. Les attaques, ils commencent à t'attaquer. Ils commencent à déstabiliser ta famille. Il commence à vouloir déstabiliser ton mariage, commence à t'apporter des maladies, des douleurs que tu ne sentais plus depuis des années, les douleurs reviennent. C'est parce que tu as décidé de servir le Seigneur, c'est parce que tu as décidé de tenir ferme. Ils envoient les sorciers. Toute sorcellerie qui a été invoquée sur la vie de quiconque écoute ces réunions aujourd'hui, vous êtes anéantis au nom de Jésus-Christ. Nous avons la force en Christ Jésus. Nous avons le pouvoir. Tout démon qui a été commandité pour attaquer qui que ce soit écoutant cette réunion, qui que ce soit assistant à cette réunion, qui que ce soit suivant cette vidéo, tout démon qui a été invoqué, nous avons l'autorité sur vous. Vous êtes anéantis. Les esprits de sorcellerie sont anéantis. Les esprits de mari de nuit, vous êtes anéantis. Les esprits d'infirmité, de mort, tu n'as plus le pouvoir sur nous. Les esprits d'échec, les esprits d'assoupissement physique ou spirituel, vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit tant qu'on s'y assure la terre et plus bas que la terre. Au nom de Jésus, esprit d'assoupissement, tu sors. Tu n'as pas de pouvoir dans cette église. Tu n'as pas de pouvoir. Esprit de gloutonnerie, d'ivrognerie, esprit de démons sexuels, esprit de masturbation chez les jeunes. Vous sortez, vous n'avez pas de pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu expérimente la délivrance. La délivrance au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Amen, voilà. Voilà, mes frères et sœurs, Dieu soit loué de ceux qui l'accordent de grandes délivrances. Nous allons terminer par ce témoignage d'une jeune sœur, justement. Oh là là, c'est une jeune sœur
une jeune de 18 ans, une jeune, elle a fait des choses terribles et elle ne voulait pas que ses parents soient au courant de ces choses. Donc, écoutez ce témoignage. Jeune gens, écoutez ce témoignage. Elle a 18 ans. Et à 18 ans, elle est en troisième année d'université, deuxième ou troisième année, je crois, troisième année. Écoutez vous-même, mes frères et sœurs, comment Dieu l'a délivrée de la folie de la jeunesse, des choses perverses, des choses abominables de la jeunesse. Écoutez, mes frères et sœurs, et tirons-en des leçons, surtout pour les jeunes gens. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que par la grâce de Dieu, tout le monde se porte bien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.